Aujourd'hui, dans Enquête Intime, nous partons à la rencontre d'Urbain. Urbain est atteint d'un syndrome méconnu, le syndrome Gilles de la Tourette inversée. Bonjour. Vous êtes beau ? Ah ! Vous êtes intelligent ? Ah ! Bonne journée. Voilà, ben en fait, je souffre d'un syndrome. Vous avez un très joli t-shirt, monsieur. C'est le syndrome de Gilles de la Tourette inversée, en fait. Et qu'est-ce que vous filmez bien ? En fait, je ne sais pas m'empêcher de faire des compliments aux gens, quoi. J'adore les oreilles pointues. Vous voyez, Ça doit être affreux, ça. Bah, c'est affreux. Moi, personnellement, j'en peux plus, quoi. Vous êtes très doux, vous êtes très gentil, très poli. Vous voyez, ça n'arrête pas, quoi. J'arrive pas à m'empêcher de dire, vous êtes magnifique, monsieur. Vous voyez, c'est très gênant, quoi. Très gênant. À force d'être trop gentil, Urbain a contracté beaucoup de dettes et il ne peut plus toutes les honorer. Voilà, donc nous prendrons également la télévision. Bon, écoutez, je trouve ça un peu extrême. Vous êtes quelqu'un de génial. Vous savez pas prendre autre chose. Vous avez un métier formidable. Excusez-moi, j'ai le syndrome de... Nous sommes censés vous laisser le lit de vos enfants. Bah, il manquerait plus que ça, alors. Prenez-les, c'est merveilleux. Bah, où est-ce qu'ils vont dormir, alors les... Vous êtes très sensuel. Excusez-moi, c'est le syndrome. Bah, vous pourriez prendre nos enfants également. Ah non, madame. Nous ne prenons que les objets de valeur. Bah, dites donc. Très belle remarque, vous êtes très gentil. J'adore ce que vous faites. Excusez-moi. Vous avez des très jolis yeux. C'est pas ce que tu penses, chérie. C'est... Bon, alors c'est vrai, je vis avec quelqu'un de particulier. Il y a quelques inconvénients. Mais moi, je suis très heureuse de vivre avec un mari gentil, poli, qui fait des compliments. Moi, ça me change, hein. J'ai toujours rencontré des connards. Ta chérie, t'as pas vu mon putain de téléphone? Ça fait 2 heures que je le cherche, là. Quelle belle longue chevelure ondulée. T'as pas vu? Ah non. Bon, ben je vais aller regarder dans le salon, alors. Quelle vue perçante! Tu es magnifique. Et en plus, il est sincère. Sympa. Ah, oh putain de meuble à la con. Ah, ah, ah. Vous appelez le médecin? Non, j'appelle le magasin de meubles. Mais pourquoi faire? Bah pour les engueuler évidemment. Allô, superbe meuble, de qualité, robuste. Merci beaucoup. Oui, d'accord, je patiente. Ah, il est magnifique. Hein. Hier, on lui a volé son portefeuille, il a poursuivi le voleur et il l'a remercié. C'est beau. Hein. Ah. Ça va, chou? Ta gueule. Superbe yeux. Le couple file le parfait amour, mais les apparences sont parfois trompeuses. Bonjour, monsieur. Ah, mais c'est toi le gros con de Marie de mon plan cul. Enfin, je ne vous permets pas. Elle m'a dit sur Tinder que t'avais une toute petite bite. Mais monsieur, vous avez des très belles intuitions. Excusez-moi, j'ai le syndrome de... Mais c'est pire que ce que je croyais, hein. Bon, allez, peine à jouir. Elle est où ta femme que j'aille lui montrer ce que c'est un homme? Mais monsieur, je ne vous permets pas. J'aimerais tellement que vous la baissiez convenablement. Excusez-moi. Monsieur, revenez ici. Mais vous êtes superbement bien membré, ma femme avait raison. Monsieur, descendez. Oui, je trouve que c'est quand même assez pénible. C'est très agréable, je suis très content. Bon, je vais aller lui mettre des belles grosses olives. Des grosses olives. Pour l'apéro, excusez-moi, j'ai un syndrome de... La semaine prochaine, dans Enquête Intime, nous découvrirons le quotidien de Manuel. Manuel est atteint de manopédestrasie, c'est-à-dire l'inversion des canaux neurologiques relatifs aux pieds et aux mains. Ben oui, ce que je dois faire avec les pieds, je le fais avec les mains et inversement. Bon, dites, vous m'aviez promis le rapport du dossier pour midi. Qu'est-ce que vous foutez? 5 minutes, madame la directrice, je suis en train de le terminer. La manopédestrasie de Manuel est très invalidante et perturbe toute personne qui croiserait son chemin. Chaussure. J'essaye, hein. Ah oui, moi je suis à l'aise dedans, c'est confortable. Je les prends. C'est belle, hein, celle-ci. Enquête intime. Parce qu'on est entre nous.